Bienvenue tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Amen. Et ce cœur de
Thank you.
Seigneur, viens toucher Paris. Viens toucher ma vie.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service du dimanche. Alléluia. J'espère que tout va bien. Je suis très content que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans la parole de Dieu. Alors, allez avec moi. Acts chapitre 11, versets 27 jusqu'à 30. Une petite histoire courte. J'ai intitulé mon message « Les jours des prophètes ». Alors, on va parler d'Agabus aujourd'hui. C'est verset 27 nous dit « À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche », qui est vraiment une conférence prophétique. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saül. Hallelujah! Alors, Seigneur, bénis ta parole ce matin et bénis ce message au nom de Jésus. Alors, je veux utiliser un autre deux versets pour commencer. C'est pour renforcer ce que je veux expliquer. Allez à Hébreux 13, 8 et aussi Malachie 3, 6. Alors, Hébreux 13, 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Et Malachie 3, 6 nous dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alors, nous avons deux écritures ici qui nous montrent que Dieu est le même. Dieu ne change pas. Et le mot « change » dans Hébreu, de Malachie 3, 6, c'est le mot « sana », S-A-N-A-Y, puis qui veut dire « être différent d'un autre genre ou d'autre classe » ou d'être changé, se transformer en quelqu'un d'autre. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire qu'il reste le même. Il ne change pas d'un autre genre ou d'une autre classe, ou se transformer en quelqu'un d'autre. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Hallelujah! Nous vivons à une époque de prophétie accomplie. Je veux regarder aux prophètes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que le prophète de l'Ancien Testament, l'Ancien du Nouveau Testament, c'est pas la même chose. Dans le temps de Jésus, il y avait beaucoup de prophéties qui ont été accomplies. Il y avait des prophéties qui ont été accomplies par les prophètes 20, 25 ans passés, 50 ans passés, 100 ans passés. Alors, il y a toujours des prophéties qui se font prophétiser et accomplies. Et aujourd'hui, plus que jamais, le prophète ou la voix prophétique doivent être très vivants. Le plus qu'on va, le plus qu'on devrait avoir une bonne voix prophétique forte de prophète. Hallelujah! Pas juste un, beaucoup de prophètes, parce que le Seigneur nous donne tous ces dons-là, tous ces cadeaux-là. Hallelujah! Dans le Nouveau Testament, Agabus a prophétisé une famine qui est arrivée sur l'empereur Claude. Et l'apôtre Paul lui-même a prophétisé. Dans nos jours, ici, aujourd'hui, dans 2 Timothée 3, de 1 à 5, ça dit « Sache que dans les derniers jours, je vais vous dire aujourd'hui qu'on est dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fantards, orgueilleux. » Si vous regardez alentour, vous allez voir la télé, les films, la société est pleine de ça ici. Ça continue. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies. Verset 3, c'est dit insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir, plutôt que de Dieu. Wow! Verset 5 dit, « Ils auront l'apparence de la piété. » Il parle des hommes religieux. « Ils auront l'apparence de la piété, mais réuniront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Alors, ça décrit ici. Paul prophétise
à notre époque aussi aujourd'hui. Ça fait 2000 ans, là, approximativement. Alors, même si Paul est un apôtre, il y a encore des tendances à être un prophète par ces prophéties-là. Ça lui fait, peut-être pas dans l'office du prophète, c'est en force encore aujourd'hui. Même la vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse, tout le livre que Dieu lui a montré, toutes les prophéties, c'est fait un livre. Hallelujah! Il a vu la vision de Jésus qui a prophétisé dans le livre de prophétie. Il a prophétisé à les sept églises. Alors, ici, on voit que le don de prophétie est encore en vigueur, en force, dans le Nouveau Testament. Puis, on a vu que le prophète Agabus, dans notre texte, aujourd'hui n'est pas différent. La voix de Dieu n'a pas changé. C'est pour ça que j'ai dit ici au commencement, Dieu ne change pas. La voix de Dieu n'a pas changé. Au fur et à mesure que la population mondiale augmente, les péchés de ce monde augmentent également. Alors, les choses ne changent pas. Le monde est pécheur. Dieu reconnaît ça. Il a envoyé son Fils pour toutes les futures générations, pour que ceux qui se repentissent peuvent recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur. Hallelujah! Rien n'a changé. La seule chose qui change vraiment, c'est la technologie, la manière qu'on s'habille. Je sais que le monde est changé, mais Dieu ne change pas. Hallelujah! Et plus que le péché augmente, plus la grâce de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. C'est sûr que c'est rendu de plus pire en plus pire, mais la grâce de Dieu augmente et est disponible pour ceux qui le veulent. Hallelujah! Rien ne change. Et ce n'est pas parce que c'est tout bouleversé par le péché que cela nie la vérité de la parole de Dieu, selon laquelle nous pouvons avoir une bonne vie abondante et épanouissante. On peut avoir, même dans ce milieu ici, même dans le milieu de tout qui est négatif, on peut avoir une bonne vie. Hallelujah! Rien ne change. Jean 10:10 est encore en vigueur, comme toute la parole. Hallelujah! L'amour de Dieu est le même, son pardon est le même, sa grâce est la même et ses exigences pour la vie éternelle sont les mêmes. Nous sommes ceux qui ont besoin de nous transformer et de changer. Lui, Dieu, ne change pas. Ce qui nous ramène au prophète. L'office du prophète existe encore aujourd'hui. Soit que le prophète prophétise une calamité à venir ou une proclamation des bénédictions dans ta vie, cela n'a pas d'importance. Il y a toujours cette voix que Dieu veut utiliser pour notre bien. Et Agabus, dans notre texte, était comme cela. Et un instrument et une voix du Saint-Esprit. Nouveau Testament, le livre des Actes. C'est très important que nous reconnaissons la voix prophétique. Agabus se leva au milieu des prophètes et prophétisa une famine à venir. Il ne parlait pas de ses propres pensées, il parlait par l'Esprit. Et c'est ça qui arrive quand tu prophétises, c'est pas par toi, c'est pas tes idées, c'est ce que le Saint-Esprit met à ton cœur de dire à travers soit d'une vision ou d'un rêve ou en lisant la parole de Dieu. Il met une urgence dans ton cœur de prophétiser de cette manière. Alors, Agabus, dans sa propre capacité et compétence, ne pouvait pas prophétiser pour sauver sa vie. Alors, c'est jamais par notre force, par notre capacité, c'est toujours par l'Esprit de Dieu. Toi non plus et moi non plus. Nous ne pouvons pas le faire que par le Saint-Esprit, comme qu'il vit et agit en nous. Allez à Nombre, le livre de Nombre, chapitre 12, 5 et 6. Et Dieu est très clair ici. C'est Dieu qui parle. Il parle à Aaron et Myriam. Et regarde ce qu'il dit. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Il dit à Aaron et Myriam, écoutez, je vais être très clair ici là. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui.
C'est dans un rêve que je lui parlerai. Et dans l'autre verset, il dit, mais ce qui concerne Moïse, moi, je vais lui parler face à face. Moïse avait un différent rôle ici. Mais le rôle d'un prophète, il l'explique. Il va soit lui parler par un rêve ou une vision. Hallelujah! C'est comme ça le Seigneur révèle les choses au prophète. Merci Seigneur. Vous voyez, Dieu aime les gens de ce monde. Tous les gens. Et même comme croyants, quand il y a des moments où nous faisons le contraire, où nous faisons faillite, où nous péchons, il déverse toujours sa grâce et sa miséricorde parce qu'il nous aime. Hallelujah. Il ne t'abandonne pas. Maintenant, la famine a été prophétisée par Agabus afin que l'Église puisse se lever et envoyer des secours en Judée. Ici, c'était pour envoyer de l'aide en Judée. Okay? Dieu savait tout cela et il l'a fait savoir par Agabus, son prophète à ce temps-là. Mais il y en avait d'autres aussi. Ça, c'est le Nouveau Testament. Il est toujours bien vivant encore aujourd'hui, le prophète, je parle. Peu importe si tu le crois ou non, parce qu'il y en a des dominations ou des mouvements chrétiens qui ne sont pas sûrs. Puis, il a dit que les prophètes, si ça ne marche plus comme ça, puis les apôtres, c'était juste pour commencer l'Église. La parole dit différemment. On voit ici le prophète Agabus qui prophétise quelque chose du futur. Alléluia. Alors, le monde naturel qui ne croit pas en Jésus est le même monde qui était avant la venue de Jésus. Le monde, c'est le monde. OK? C'était tout pécheur. Ils pensaient tout de la même manière. Avant Jésus, durant le temps de Jésus et même aujourd'hui. Le monde ne change pas parce que le monde sans Dieu, sans Jésus, sont influencés par le diable, par le système mondial. La seule différence est que maintenant, nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ, par la foi. Cela ne nous rend pas meilleurs, juste plus bénis à cause de ce que Jésus a fait pour nous et nous l'avons accepté. Alléluia. Maintenant, le monde entier peut bénéficier des actions et de l'obéissance d'un seul homme, Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour qu'est-ce que tu as fait. Et la Bible dit, avant que je parte, je vais vous donner quelque chose pour l'Église. Alléluia. Alors, allez avec moi à Éphésiens 4, 7 à 14. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur la hauteur, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Il a donné des cadeaux, il a donné des hommes avec des talents. Or, qui signifie, il est monté, sinon, qu'il est aussi d'abord descendu. Ça veut dire, quand il a monté, ça veut dire d'abord qu'il a descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, Jésus, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Puis regarde ce qu'il nous a donné. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers ou pasteurs. Et enseignant. Il nous a donné cinq choses pour l'Église. Versets 12, 13 et 14. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement. Jésus donne à l'Église cinq dons. Moi, j'appelle ça des cadeaux. Des cadeaux à l'Église, voici. Je vous donne l'apôtre, je vous donne le prophète, l'évangéliste, le pasteur ou le berger. Et l'enseignant pour l'Église. Pour ça, l'Église, c'est ça le leadership de l'Église. C'est ça les leaders de l'Église. On peut tout être pasteur, mais on peut être pasteur prophète, on peut être pasteur évangéliste,
Mais il y a vraiment des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants dans l'Église. Hallelujah! Hallelujah! Et dans notre culture, regarde, nous donnons et recevons des cadeaux de Noël. Certains d'entre eux durent une minute, dépendant si c'est un petit garçon qui est rough and tough, là. Il va voir un cadeau, il dit « Oh! » Il veut juste l'avoir, il casse. OK? Puis il y en a, ça va durer un petit peu plus de temps, peut-être un mois, deux mois. Mon point est le suivant. Nos cadeaux, aussi précieux soient-ils pour nous, ont toutes une date de péremption. Mais les dons que Jésus nous a donnés lors de son ascension sont encore actifs et vigoureux aujourd'hui. Ce sont des dons spirituels et ces dons spirituels en eux-mêmes ne s'usent pas, ne se cassent pas ou ne cessent pas d'exister. Dieu ne change pas. Hallelujah! Qu'est-ce qui est donné au commencement de l'Église est encore en vigueur aujourd'hui. C'est dans leur leadership que le monde va savoir que ça, c'est un apôtre. Hallelujah! Ils vont se garder humbles. Il y a encore des apôtres aujourd'hui, encore des prophètes aujourd'hui, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants aujourd'hui. Ces postes n'expirent ni ne changent. Hallelujah! Merci Seigneur pour cette vérité. Si c'est une vérité aujourd'hui que je veux que vous compreniez, c'est ça, que Dieu ne change pas. Et le rôle des apôtres et des prophètes, des évangélistes, pasteurs et enseignants continue, il existe encore aujourd'hui. Un prophète du Nouveau Testament et un prophète de l'Ancien Testament ont toujours la même description de poste, la même MO ou la méthode d'opération. Ils disent tous les deux, de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce que Dieu veut leur dire. Hallelujah! Ce ne sont pas des indépendants, ils sont les serviteurs du Dieu le plus haut. Hallelujah! Dieu le plus élevé. Merci Seigneur. Parlons prophète pour une seconde. Un de nos grands enseignants dans les Églises Victoire, Brad Dewar, il a fait une belle étude selon les cinq dons qu'on vient de parler, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Et voici ce qu'il dit à propos du prophète. Il décrit le caractère et la force et les faiblesses du prophète. Écoutez ça. La force principale d'un prophète est l'intelligence spirituelle. Sa priorité absolue est de purifier les gens à travers la parole, on parle. Son rôle général dans l'Église est d'inspecter pour la pureté, pour voir comment l'Église est. Il regarde alentour, hallelujah. Ses compétences sont la sensibilité spirituelle, la dévotion passionnée et la perspicacité prophétique. Il est mieux utilisé dans l'Église comme conseiller. Il est très concentré sur la façon dont l'Église va ou elle va prophétiquement. Parce que chaque Église a un appel de Dieu. Dieu dit comment cette Église-ci? Il y a un groupe de personnes. Il y a différents types de personnes dans cette Église-là. Tu peux commencer une Église dans un secteur du monde qui sont riches ou le monde qui sont pauvres. Dans différentes classes, tu peux avoir des différents types d'églises. Alors, toutes les églises ne sont pas les mêmes. Dieu a quelque chose pour chaque église. Alléluia. Le prophète a toujours la question en lui, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon pour l'église? Est-ce que c'est correct? Il est tout au sujet de la vérité. Il est tout au sujet de la justice et de la parole de Dieu. La chose qui peut vraiment aigrir un prophète, s'il ne fait pas attention, c'est qu'il peut devenir légaliste. Un bon prophète dans l'Église garde l'Église en check. Nous vivons à une époque où il doit avoir une voix prophétique forte. Et le fait est ceci, nous pouvons tous apprendre à avoir une compréhension prophétique. En d'autres mots, lorsque les voix prophétiques parlent, nous pouvons avoir cette compréhension de ce qui est dit. Parce que souvent, si tu vas dans une église qui n'a pas ça, une voix prophétique, c'est dur, après un bout de temps,
quand tu vas dans une autre église puis il y a une voix prophétique, de la comprendre, qu'est-ce qui se passe. Alors, quand tu es dans une atmosphère de voix prophétique dans l'église, tu vas commencer à comprendre quand le prophète parle. Alléluia. Tu vas le comprendre. C'est un environnement qui est créé pour ça. Dans chaque aspect de notre société, il se passe quelque chose dans leur contexte spirituel. L'ennemi est au travail, confondant, détruisant et créant le chaos. Cela se produit à tous les niveaux, à le niveau local, régional, provincial, fédéral et mondial. Notre travail consiste à être spirituellement conscient de ce qui se passe afin que nous puissions nous opposer aux forces des ténèbres par l'autorité du Christ en nous. Alléluia! Le prophète ou la perspicacité prophétique nous permet de voir le plan de l'ennemi. Le Seigneur nous montre ça par l'Esprit. Il agit d'être en phase avec qu'est-ce qui se passe réellement. Mais quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, par exemple, Satan haït le plan de Dieu pour l'homme. Il déteste le plan de multiplication de Dieu, physique de l'homme. Ce plan n'inclut que deux genres et une orientation sexuelle. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Alors maintenant, Satan essaie de détruire le plan originel de la création de Dieu en insérant quelque chose d'autre dans l'équation. Doute et mensonge. Et à moins que tu le vois et que tu le comprends prophétiquement et spirituellement, tu le verras comme quelque chose d'insignifiant et passagère. Vous voyez, l'Église doit avoir les yeux d'Agabus. Nous avons tous besoin de prévoyance. Nous avons tous besoin des lunettes de vision nocturne pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde sombre. Et le Seigneur, il est bon, il nous donne ça par l'Esprit. Nous avons besoin, et je crois que nous l'avons, plus de prophètes que jamais. Dieu prépare son Église et nous prépare avec une vision prophétique renouvelée. Agabus a vu dans l'Esprit une famine venir qui s'en venait, et l'Église, selon sa capacité à le faire, envoya des secours en Judée. Ils ont envoyé Paul et Barnabas pour apporter à la Judée le soulagement nécessaire alors qu'ils faisaient face à une famine. Alors Dieu savait qu'est-ce qui se passait. Merci Seigneur. Et merci pour la parole prophétique. En comprenant ce que cela peut signifier spirituellement pour nous aujourd'hui, nous pouvons peut-être la comprendre comme ceci. Beaucoup d'entre nous croient que Jésus revient bientôt. Les signes sont là. Regarde alentour. Les prophéties d'autrefois se sont accomplies en ce qui concerne les derniers jours d'Israël et l'Église. C'est sûr, il y a encore d'autres prophéties qui n'ont pas été accomplies encore, mais ça, c'est après que l'Église est enlevée. C'est écrit pour nous dans Matthieu 24, afin que nous sachions à quoi ils ressembleront. Il nous le dit à l'avance, afin que nous puissions préparer nos cœurs pour sa venue. Alléluia. Alors le Seigneur nous donne toujours une avance pour quelque chose. Merci Seigneur. Merci que tu es bon. Jésus lui-même a prophétisé sur l'état spirituel des sept églises dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Et à la fin de chaque parole prophétique, regarde ce qu'il dit. Celui qui a une oreille pour entendre. Qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a une oreille pour entendre cette chose spirituelle que je t'apprends à dire. Ne laisse pas les choses que je dis aller au-dessus de ta tête. Alors, il veut qu'on comprenne les choses avec une oreille spirituelle. Nous sommes nés de nouveau pour pouvoir entendre quelque chose de totalement différent de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Il y a une voix. La voix du Saint-Esprit, une voix prophétique sortant de sa bouche et de la bouche des prophètes. Alléluia. Mais pour pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit de cette manière, nécessite de le rechercher plus profondément.
Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu régulièrement, à moins que tu prennes le temps de vraiment s'approcher et avec une intention, Seigneur, je veux vraiment être proche de ton esprit, proche de ton cœur. C'est ça, c'est la clé. Être à la proximité de son cœur. Voyez, le roi David était un roi, un sacrificateur selon de l'ordre Melchizedek. Il n'était pas un sacrificateur de l'ordre de Aaron. Il venait de la tribu de Juda, alors il était un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Okay? Il était aussi un prophète. Il était trois choses. Il était un roi, un sacrificateur et un prophète. Il n'était pas parfait par aucun effort d'imagination, mais il voulait le cœur de Dieu. Ainsi, lorsque nous pensons à ceux qui occupent le poste d'un prophète, considérez-les comme une voix, une personne envoyée par Dieu pour nous avertir du péché ou du danger, ou pour nous encourager et nous libérer d'un espoir perdu. C'est des fois, on est abattu, puis des fois, une voix prophétique va venir, puis il va renouveler en nous un espoir, nous vigorer spirituellement. C'est ça qu'un prophète peut faire pour nous. C'est juste pour finir ce matin. À travers le temps, nous avons stigmatisé le prophète comme celui qui appelle le feu du ciel pour consommer toute la corruption de ce monde. On voit ça dans le prophète Élie, fait descendre le feu du ciel. On entend parler des fois de Jean-Baptiste, une grande voix qui corrige le monde. T'sais. On dirait que c'est ça. Mais pour être totalement honnête, le prophète, c'est un bon gars. Il faut être un bon gars. Et Agabus était comme ça. Il était un bon gars du Saint-Esprit dont la parole prophétique a libéré des bénédictions pour leurs frères chrétiens en Judée. Agabus était simplement obéissant au Saint-Esprit qui connaît toutes les choses. Alors, remercions Dieu aujourd'hui pour le prophète et la voix prophétique. Alléluia! Alors, j'espère que ce message vous a béni et vous avez compris encore un petit peu plus profondément ce qui concerne le prophète et la voix prophétique et comment important c'est aujourd'hui. J'espère que vous soyez bénis au nom de Jésus. À la semaine prochaine.